toté de ma biso bonso. Prenez vos Bibles dans Psaume 42. Psaume 42. On lira le verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, le kola yenganziko kimagambango kobilaka bipai maimi makotola. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Nabongoje ni monange kotilelayo o Nzambe. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ili monange sana posa ya Nzambe na Nzambe ya bomoi. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mon oncle me dit sans cesse, où est mon Dieu? Avec nos têtes inclinées. Éternel notre Dieu. Yahweh Nzambe na biso. Nous te remercions, Père, de nous avoir donné le privilège d'être dans ta maison ce matin. Seigneur, nous venons avec toute la révérence. Nous venons devant ta telle face et ta face telle que nous sommes. Afin de communier. Afin de t'adorer. Seigneur, nous venons envers toi avec nos requêtes. Étant chargé de nos fautes. Afin que tu puisses nous décharger et que tu puisses nous exaucer. Toi le Père Céleste qui ne peut pas donner du pain, qui ne peut pas donner de la pierre à la place du pain, et qui donnera toujours du poisson au lieu du serpent. Seigneur, toi qui nous aimes tant, nous nous abandonnons à toi. Afin que tu puisses nous regarder à travers du sang versé. Accorde le Père. Bénis la lecture de ta parole. Conduis-nous dans le contexte. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Accorde l'inspiration. Ne laisse personne sortir de ce lieu sans qu'il puisse dire dans son cœur que Dieu m'a réellement parlé. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Non.
Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous aime tous. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer la lecture. Sur la soif. La semaine écoulée, nous avons lu jusqu'au paragraphe 27. Nous allons continuer. Vous êtes prêts? Amen. Oh, il y a une sorte de soif. Il y a une soif physique. Et il y a aussi une soif spirituelle. J'aimerais lire ceci, ce que David a dit de nouveau. Mon âme a soif de Dieu et du Dieu vivant. Amen. Amen. Plus haut, il dit, oh, ce n'est pas quelque chose d'anormal, la soif. D'avoir soif. La soif est quelque chose de naturel. C'est simplement quelque chose qui vous, que Dieu nous a donné pour que nous puissions pour produire en nous un désir de quelque chose. Parfois Dieu a aussi, et il vous a doté d'une tour de contrôle. Quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui contrôle ses différents désirs. Et cette soif, cette tour de contrôle qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose que Dieu lui a donné pour lui signaler les désirs qui révèlent un besoin chez lui. Amen. Amen. Pas de quelque chose d'historique ou de quelque chose qui se serait passé il y a bien des années, d'une légende où de quelqu'un aurait raconté, mais du Dieu vivant. Un Dieu qui est toujours présent. C'est de ce Dieu-là que mon âme avait soif. Et non de quelque chose historique. Donc nous voyons que Dieu vous a doté de cette tour de contrôle pour que vous procuriez ainsi les choses dont vous aviez besoin. Oh, la tour de contrôle qui est en vous, c'est ce qui vous dirige. Et cette soif passe dans cette tour de contrôle. Tour de contrôle. Et celle-ci vous indique ce dont vous aviez besoin. Spirituellement parlant. La tour de contrôle du corps
Et celle de l'âme aussi. Il y a une tour de contrôle dans le corps qui vous indique ce dont votre corps a besoin. Le besoin. Et il vous est révélé par la soif. Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme. Il vous indique les choses spirituelles dont vous aviez besoin. Quelque chose dans votre esprit. Par ceci, c'est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous contrôle. Quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c'est comme ça alors que vous pouvez savoir quel est le genre de choses qui se trouvent en vous, qui créent ce désir que vous aviez. Vous voyez? Il y a une certaine chose dont vous aviez soif. Et c'est par elle que vous pouvez savoir quel est le désir qu'il y a dans votre âme. Par les genres de soif que vous avez. J'espère que vous pouvez comprendre ça. Amen. Il y a une tour de contrôle pour l'âme. Et il y en a une pour le corps. Et chaque tour sert d'avertisseur pour signaler les besoins de l'autre. Chacune indique ce que réclame celui qui lance l'appel. Elle envoie un signal avertisseur. Par exemple, la chair a soif de satisfaire les désirs du corps. La chair a soif de satisfaire les désirs du corps. Et l'esprit désire les choses qu'il y a dans l'âme. Les désirs qu'il y a là. Souvent, ils luttent l'un contre l'autre. Nous voyons là un grand problème aujourd'hui. C'est que trop de gens essaient de vivre entre ces deux désirs. En effet, l'un désire les choses de la terre, alors que l'autre désire les choses du ciel. Amen. 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 Et il continue, dit comme Paul l'a dit, l'a écrit dans Romains 7, 21. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand vous essayez, avez-vous déjà expérimenté ça? Les chrétiens, c'est que quand vous essayez de faire quelque chose de valable et que vous efforcez de faire ce qui est bien, alors vous allez trouver le diable qui est là partout, juste pour vous déranger. Dire ceci, vous déranger dans tout ce que vous. Pas point. Voyez-vous, c'est un bon signe ça. J'aimerais dire ceci pour que les chrétiens les chassent. C'est que quand vous entreprenez quelque chose et il y a toujours des obstacles pour vous déranger, faites-le quand même. C'est le diable là.
qui essaie de vous empêcher de faire ce qui est bien. Amen. 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 Nous voyons ici les prophètes en train de nous donner les armes du discernement. Parce que ces dernières prédications de Frère Branham dans les derniers trimestres de sa vie, c'est des sermons qu'il prêche le plus souvent d'entre eux, il ne décortique que des mots. Vous êtes avec moi? Amen. Il a prêché la communion. Il a prêché le respect. Il a prêché le mot enlèvement. Ici, il parle de la soif. Donc, il ne fait qu'aller de mot en mot. Et pour cela, il voulait nous montrer que nous pouvons comprendre les versets, les phrases, mais il est arrivé à nous montrer que Dieu se renferme tantôt dans un seul mot. Et avec un seul mot de la Bible, il y a tout le nécessaire pour nous sauver. Et il y a tout le nécessaire qui peut nous conduire. Et il y a tous les bénéfices qui peuvent nous amener à lui. Premièrement, il nous a montré, je vais essayer de résumer pour ceux qui disent, que le mot soif signifie un désir douloureux. C'est un désir, mais qui est associé à la douleur. Et au travers de cela, Frère Branham nous montre que la douleur n'est pas la maladie. Parce que nous sommes pleins d'une société dans laquelle qui vend des calmants. Et il y a beaucoup de gens qui ne vivent que des calmants. Et nous savons que la plupart des calmants que nous avons sont des drogues. Et tu ne pourras jamais s'en sortir. Mais plutôt, les calmants créent la dépendance. Sans arrêter la maladie. Et la maladie continuera. Voyez-vous, Frère Branham dit, si vous allez chez un médecin, il se précipite à vous recevoir, et vite fait, il vous prescrit quelque chose. Il dit, le plus souvent, ce sorte de médecin ne veut que se débarrasser de vous. Et il veut simplement vous plaire, que vous puissiez savoir que le docteur m'a reçu. Il dit, le dans ces lignes-là, c'est comme dit, un bon médecin ira au ciel. Et pour ceux qui font ce métier, s'ils peuvent m'entendre, et lorsque vous êtes devant votre patient, s'il vous plaît, donnez le meilleur de vous-même. Amen. Amen. Parce que Dieu, pour l'intention que vous poursuivez, et ça peut résulter à votre salut. Parce que Dieu récompense toujours un cœur qui prend soin de quelqu'un d'autre. Surtout lorsqu'il est dans une situation désespérée. Donc la douleur n'est pas notre adversaire. Et le plus souvent, nous réagissons contre la douleur. Or, nous ne savons pas que c'est le tour de contrôle de notre corps qui essaie
de signaler à nous, à notre cerveau, c'est qu'il y a quelque chose quelque part à tel endroit qui ne va pas. Afin que le cerveau puisse trouver des solutions à remédier à ça. Et lui, le tour de contrôle juge que c'est grave. Alors, c'est pour cela il intensifie l'impulsion. Et cela nous donne une sensation de douleur. Afin que vite fait nous puissions remédier. Si il n'y avait pas de douleur, je devais mettre ma main dans le feu. Et ça va brûler. Et je perdrai mes doigts. Je perdrai ma main. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de douleur. Mais la douleur, aussitôt je mets la main dans le feu, aussitôt le tour de contrôle réagit. Et tantôt si je n'ai pas réfléchi, qu'est-ce qui se passe? La tour de contrôle spirituel retire ma main. Et c'est ce qu'on appelle les réactions de réflexe. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et c'est comme quelqu'un. Et les réactions de réflexe sont contrôlées pas par le coup de tour de contrôle du corps qui est le cerveau. Mais c'est la réaction de tour de contrôle qui est dans le cœur, qui est l'âme. Et si je vais te taper à l'œil, la rapidité que tu fermes ton œil, le signal que le tour de contrôle donne là, tu n'as pas réfléchi pour fermer l'œil. Vous dites amen. Amen. Et tu n'as pas réfléchi pour que ça, c'est l'âme qui agit directement. C'est comme quelqu'un qui a fait les arts martiaux. Il a répété les mêmes actes tous les jours. Et il le fait. Lorsqu'on dirait qu'il est maître ou il commence à maîtriser l'art, et la plupart du temps, l'exercice qu'il fait, et il ne le fait plus physiquement. Il le fait maintenant dans sa pensée. Tout le monde qui est passé par là, même les pilotes, là où on demande les réflexes, même la danse, là où ça demande la réflexe, vous remarquerez que ces gens-là mènent même les combats. Donc dans leurs pensées. Alors il est en train de se promener. Il s'imagine si on m'attaque deux comme ça. Comment je vais réagir? Je vais pivoter comme ça. Donc, à un certain moment, avant qu'il devienne maître, ce genre de réaction réagit dans sa pensée sans sa volonté. Qu'un chirurgien prendra ses ciseaux ou sa bistouri pour ouvrir quelqu'un, il peut tomber. Et mais toutefois qu'il force, alors il va exécuter maintenant ses actes, même s'il n'y a pas de malade, il se verra en train de déchirer. Il dit, je ne fais pas du mal, mais je sauve sa vie. Et il passe cette période-là, parce que ce sont des arts qui sont liés à le tour de contrôle de l'intérieur. Et j'aimerais que vous me suivez attentivement. Et nous, le frère Branham dit l'enseignement sans laquelle vous ne pouvez pas avoir la vraie foi réelle. Il dit sa tranche.
Et dit, vous ne pouvez pas avoir une bonne position sans être enseigné. C'est l'enseignement qui positionne. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je ne vous le dis pas. Vous pouvez lire la brochure, mais je crois que c'est mon devoir, lorsque je perçois quelque chose, afin que votre foi soit basée. Dieu ne vous demande pas quelque chose dans lequel il ne vous a jamais donné. C'est que la chose est en toi, en état latente. Mais tu es ignorant de savoir que ce que tu en as besoin est en toi. Et l'enseignement vient maintenant t'indiquer simplement voilà ce que tu dois faire. Mais alors, ça dépend maintenant de ton attachement. Et la foi que tu y donnes à ce que tu écoutes. Et la pratique que tu as fait. Et cette année, j'ai promis à Dieu. Parce que je me suis rendu compte qu'on a enseigné beaucoup de choses. Et nous ne sommes pas, on ne peut pas dire qu'on a tout dit. Je me suis dit peut-être que je ne fais pas comprendre en voyant les fruits tantôt que vous manifestez. Je me dis que mais j'ai enseigné ça. Depuis que lorsque ceci viendra, lui il réagira de cette manière. Mais qu'est-ce qui se passe que ceci vient, il réagit plutôt au contraire de ce qu'il était enseigné. Seigneur, je ne m'étais pas fait bien comprendre. Et lorsque j'essaie de poser les questions, au hasard échantillonnement, je me rends compte que les gens peuvent répéter ce que j'avais dit. Mais pourquoi ils ne réagissent pas en accord avec ce qu'ils ont entendu? Et ça fait totalement ça triste. Seigneur, qu'est-ce qui se faut? Donne-moi les voix d'un archange. Et pour que les gens là puissent réaliser que nous avons entre nos mains la chose la plus importante. Au-delà des apparences, et nous avons entre nous la meilleure chose qui existe dans l'univers. Nous avons le message de l'heure. Amen. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, cette fois-ci, je vais les faire tous rentrer dans la salle de gym. Et non pas simplement leur dire que lever la main comme ça. Le matin, et descendez. Et faites la main. Bougez comme cela. Non mais cette fois-ci, alors nous tous nous allons aller ensemble. Après que j'enseigne, je vais alors en pratique. Et certainement à partir de là, et ils verront les effets. Vous dites amen. Nombre d'entre vous ici ne fait pas de sport. Alors qu'elle est recommandée dans la Bible. Elle est recommandée par la médecine. Qui peut dire amen? Amen. Pour être en bonne santé. Parce que si vous mourrez par négligence, vous n'irez pas au ciel. Et savez-vous que la parole dit ça? Tu es malade, tu ne veux pas aller à l'hôpital. Yo zana bakono ko kenda l'hôpital te. Tu ne veux pas se soigner.
Mais si cette maladie devient virulente, et que parce que tu as eu à négliger, prépare-toi à ta destinée. Peut-être si ça t'a surpris, oui. Donc je dis, parce que quelqu'un ne fait pas de sport, il ne sait pas le bénéfique qu'il y a de faire les sports. Voyez-vous, mais lorsqu'il commence à le faire, comme c'est la loi de devenir, le corps de l'homme a été fait à se conformer. Parce qu'elle est façonnable. Alors ça va réagir contre. Et il voudra l'ancienne vie. Mais lorsque vous forcez, vous dépasserez cette étape. Alors vous verrez les bienfaits de l'espoir. Mais si tu n'as pas fait, alors je me suis rendu compte que beaucoup de peuples de Dieu, par exemple à Conciel, vous êtes paresseux. Paresseux, pourquoi? J'utilise le mot paresseux comme quelqu'un qui est capable de faire une chose, mais il ne veut pas le faire. Je n'utilise pas le mot paresseux dans le sens figuré qui signifie qu'il n'a pas d'intelligence, non. Non, il est capable de le faire. Mais il y a une sorte de négligence. Il est accoutumé, mais il ne le fait pas. Parce qu'il n'a pas de capacité, mais il n'utilise pas ses capacités pour faire la chose. Qui peut dire amen? Amen. Je me suis dit, peut-être ce qui nous a manqué, c'est vous amener à la pratique même. J'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, on n'enseigne pas comment prier seulement. On lui dira de répéter comment prier. Pour en être sûr. Sinon, on sera surpris. Hein? Moi, je sers Dieu pour que à la fin, je ne puisse pas donner toute la peine pour rien. Et pour que devant Dieu, je sois fier que j'étais un esprit qui a été envoyé sur la terre. Et cela m'a été révélé. Et j'ai fait un travail digne de la confiance que j'ai reçue du Seigneur. Vous êtes avec moi. Amen. Donc cela veut dire que nous allons essayer de modifier un peu ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça va vous paraître étrange. Comme vous êtes accoutumé, peut-être que d'autres sans discernement vont se fâcher. Et d'autres vont nous quitter. Parce qu'ils veulent toujours le monotone. Mais Dieu connaît mon cœur. Dire amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir des gens qui l'aiment comme vous m'aimez. Mais ils prient tous les jours pour avoir une église comme le mien. Et moi, par la grâce de Dieu, donc je ne peux pas vous faire du mal. Et je sais que si Dieu vous a appelé, vous n'êtes pas bon. Même si vous essayez de me plaire, je suis conscient qu'il n'y a que les malades qui ont besoin du médecin. Donc, je suis conscient que vous pouvez faire tout ce que ceux qui ne viennent pas ici peuvent le faire. Mais sachez que j'ai aussi des devoirs.
Et j'ai aussi un patron dans lequel je rendrai compte du travail qu'on peut faire ici. Amen. Amen. Cette fois-ci, on va contrôler afin que tout le monde puisse mettre ses leçons au propre. Et beaucoup de gens à conseil mais retiennent les leçons brouillon. On va vérifier si vous êtes les bons redoublants. Vous tombez dans les mêmes erreurs. Et si vous êtes avec moi, amen. On va contrôler. Et lorsque je parle de contrôle, et cet outil-là, beaucoup de gens n'aiment pas. Vous verrez tout le monde qui est dans une position lorsqu'on dit que le ministère a envoyé un contrôleur. D'ailleurs, les contrôleurs, les inspecteurs, les quoi, on ne les aime jamais. Et je ne voudrais pas que. Et je suis déjà préparé, même si on ne m'aime pas. Et parce que je dois contrôler. Et je dois contrôler quand la tour de contrôle en moi dit contrôle. Sans forme de procédure. D'ailleurs, dans mes procédures, il est permis de faire des visites en opinion. Donc, quand tu demandes ton avis, j'apparais. Est-ce que vous me l'acceptez? Amen. Dans mes devoirs, ça permet de vous guetter. Vous êtes dans la maison au travers de votre clé. Et pour vous espionner, je suis un grand espion. Pour voir si réellement ce que j'ai enseigné, il le pratique. Donc si tu vas me surprendre, je suis en train de guetter. Qu'est-ce que cet homme me veut? Mais il peut passer pour demander. Qui peut dire amen? Parce que si on t'avertit, tu prépareras. Mais on veut voir qu'est-ce qui ne marche pas. C'est tout votre bien. Vous dites amen? Amen. Donc on peut arriver chez vous au moment où vous ne vous attendez pas. Ou on peut envoyer des gens chez toi au moment où tu ne t'attendais pas. Et vous devez savoir que c'est mon droit. Vous devez savoir que c'est mon droit de vous blâmer. À toute occasion favorable devant les gens où il n'y a pas de gens. Ne venez pas me dire, oh non, il fallait que pourquoi on pouvait me faire ça? Non, vous ne connaissez pas les devoirs d'un pasteur. Qui peut dire amen? Amen. C'est pour ça qu'il faut en être sûr lorsque vous en choisissez un. Parce qu'il est le conducteur de votre tour de contrôle de l'intérieur. Alors, celui qui conduit ça, cela veut dire qu'il vous possède toute votre vie. Et vous devez faire très attention que réellement c'est un homme acquis pour Dieu. Parce qu'il y a la tentation de manipulation. Vous dites amen. Amen. Même si nous sommes mauvais. Je veux dire, nous les pasteurs, mais il était obligé d'en avoir un. Il n'était pas permis d'en avoir, de ne pas en avoir. Et ça n'existe pas de pasteur provisoire. Qui peut dire amen? Donc si tu es avec un mauvais pasteur, sois d'abord avec lui.
examine d'abord là où tu veux partir là-bas. Jusqu'à ce que tu seras convaincu. Tu auras éprouvé. Pour décider. Sinon tu vas décider aujourd'hui. Parce que tu te fies aux apparences. Et lorsque tu vas, parce que tu avais vu là le panorama. Lorsque tu vas dans les détails. Tu dis, oh Seigneur. Je suis rentré encore dans un gouffre. Alors comme tu avais dit beaucoup de choses de là où tu venais. Alors tu es perdu. Et tu vas venir chez celui-ci. Que tu n'as pas examiné. Tu n'as pas fait l'enquête. Vous comprenez? Amen. La première erreur, on les pardonne. Mais lorsque ça se répète, il faut faire très attention. Qui peut dire amen? Amen. Vous dites amen? Amen. Et à partir de là, vous verrez les gens deviennent errants. Ce n'est plus là, c'est là, et c'est ce qu'on est en train de voir. Ce que les gens n'ont pas fait pendant 25 ans. Et je crois qu'après 25 ans, 22 ans, 20 ans ou 10 ans, s'il a une décision qu'il va prendre, il a déjà des leçons. Amen. Amen. Donc je disais qu'il y a une tour de contrôle. C'est la raison pour laquelle nous allons jouer deux rôles. Nous allons passer à la salle d'expérimentation. Passez vraiment enseigner. Mais vous obligez à le pratiquer. Nous allons appliquer les lois du devenir. Et nous avons... Oh. Vous dormez, il faut me regarder. Ou au cas contraire, levez-vous. Hein, vous deux là. Oui, asseyez-vous correctement, descendez vos pieds. Amen. Amen. C'est ça le gym, ça commence déjà. Amen. Nous devons le faire. Cela veut dire que ton enfant a mal agi. Ta femme a mal agi. Tu penses qu'il a mal agi. Tu dis, viens t'asseoir ici, chérie. Tu as fait ça, ça, ça. Et la parole dit que tu dois regretter ça. Parce que ça m'a fait. Donc, j'attends que tu me demandes pardon. Oh non, c'est par le cœur. Demande pardon. Je sais déjà que tu as le cœur de fille de Dieu. Ça demande pardon. Apprenez à vos enfants de dire pardon. Si, parce qu'il y a d'autres personnes dans son cœur, il veut. Mais comme la pratique n'est pas là, de même le corps qui ne fait pas le sport, même si tu veux sauter, tu ne le voudrais pas parce que tu sais que tu n'en as pas l'habitude. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Amen. Vous dites toujours comme ça, oui. Bon, avez-vous compris? Oui. Bon, dimi, bon, ce sont des... Mais lorsque on arrive là, vous ne comprenez plus. Donc je disais que, que cette année, et j'ai promis à Dieu, je vais faire un effort pour que nous allons plus loin que ça. Et nous puissions le pratiquer. Parce qu'il n'y a plus de temps. Il faut que cette dynamo s'allume. Amen. Amen. Il faut. On va utiliser tout ce qui est entre notre main. On va tourner la manouvelle. Jusqu'à ce que ce véhicule s'allume. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
C'est pas facile, mais nous savons, nous ferons comme Thomas Edison. Et nous allons essayer et essayer essayer. Nous n'allons pas quitter. Nous ils essayerons. Comme les présidents américains, John Noël. Nous enverrons toujours les bombes. Même si ça rate. On continuera jusqu'à ce qu'un tombera dans le camp de l'ennemi. Nous n'allons pas prendre les substituts. Nous voulons quelque chose de réel. Nous n'allons pas prendre l'impéva. Parce que ça, nous l'avons avant le message. Vous dites amen. Jusqu'à ce que la chose réelle, le Dieu vivant, puisse se manifester ce qu'il avait promis. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Revenons sur la soif. La soif est un désir, selon Frère Banam ici, douloureux. Et il nous dit que c'est la tour de contrôle. C'est lui qui contrôle ses désirs. C'est quelque chose qui est en nous. Je disais que chaque, le corps a son tour de contrôle. Et l'esprit a son tour de contrôle. Et Frère Branham dit, l'âme contrôle l'esprit. Et moto. L'âme. Et l'esprit contrôle le corps. Donc le tour de contrôle de notre être tout entier, c'est l'âme. Et lorsque tu touches le feu, un message et passe au travers de nos nerfs et arrive au cerveau et le cerveau l'analyse comme étant un changement thermique et ensuite ordonne à tes muscles de se contracter. Et c'est ce qui fait que ta main quitte. Si tu es conscient. Mais si tu n'es pas conscient, ce même processus va se faire. Mais sans que tu puisses réfléchir. Parce que le tour de contrôle de le premier tour de contrôle a encore un autre tour de contrôle. Et lui, il agit directement pour la sauvegarde de son héritage. Et le tour de contrôle de l'âme se trouve au ciel. C'est le Dieu. Dieu contrôle notre âme. Notre âme contrôle notre esprit. Et notre esprit contrôle notre corps. Alors, ce sera Dieu, le royaume de Dieu dans la continuité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, écoutez bien, mes frères. Dieu qui a créé les cieux de la terre a placé en nous le tour de contrôle. C'est à partir de ce tour de contrôle que nous devons discerner. Par exemple, quel est l'esprit qui contrôle notre âme? Frère Branham dit, il y a deux esprits qui sont placés dans la charpente de l'église. Et ces deux esprits, ces deux esprits qui sont placés. Oh là là. Ces deux esprits. C'est elle qui contrôle l'humanité.
L'autre c'est Satan. Monsieur Satana. L'autre c'est l'esprit de Dieu. Monsieur de Molima Nsambi. Amen. Amen. Ça c'est les deux tours de contrôle. Voilà pe ma mi tout mi balé o yangelaka motonyonso. Il y a Dieu. Sana Nsambi. Il y a Satan. Pe sana Satana. Soit vous êtes contrôlé par celui-ci. To boyangela mi na ye Satana. Et Satan et Dieu contrôlent quoi? Et Satan ensemble, mais bon, la zone yangela nini. Il contrôle d'abord l'âme. Et babandina ko yangela, to ako yangela limo. Et ensuite. Benasima. Il contrôle l'esprit. Pe ako yangela molimo na yo. Et l'esprit contrôle le corps. Pe molimo kumo yangela zoto na yo. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'homme. Onde na se wana babenge kelamo ya moto moto. Alors remarquez, mais ils veulent prendre le contrôle. C'est celui qui triomphe. Mais pour qu'ils arrivent à l'âme, la porte de l'âme est à partir de l'esprit. Et l'esprit, c'est ce que nous appelons la pensée. Voyez-vous? Donc, et c'est pour cela la bataille. Se passe dans la pensée. Qui est l'esprit? Le diable vient là. Parce que c'est la seule porte qui est d'entrée gratuite. Et vous pouvez rentrer dans l'esprit d'un homme. Amen. Amen. Ne dormez pas. Te kola la te. Faites un effort. Salabokas. C'est qu'il fait chaud. Ebete molungu mozali. Amen. Amen. Alors remarquez. Okomana boyete. Qu'est-ce qui se passe? Nini kase o salamaka. Dieu. Yezambe. Lui, il nous a doté de deux tours de contrôle. Ye apesa kati na biso bi tout mi balé yo ekoyange la biso. Et premier tour de contrôle. Oya yamba ekoyange la. C'est le tour de contrôle de l'âme. Et ekoyange la elimo na moto. C'est ce qu'on appelle l'âme. Babengi ango elimo. Et le deuxième tour de contrôle. Oya mi balé. C'est dans l'esprit. Deza na kati mo limo moto. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors remarquez, je vais prendre les choses naturelles pour expliquer. Par exemple, pour avoir soif de l'eau, il faut premièrement qu'il y ait une quantité d'eau en toi. Et cet eau-là a diminué. Et même à cette anzoto, mes konangwe kiti. Et cet eau, en voyant qu'il est en diminution. Et même comme on était mes konzalaki na kate se kiti. Et si tu et cet eau aussi connaît que quelque part il y a de l'eau qui a été préparée pour amener au compte afin que son nombre, son poids, sa quantité, sa capacité soit égal. Et même on a quitté ma bête, pas monsieur Zana Mayo et Koko Yaka. Bon, mettez-vous ça, mais qu'on a un go et puis ça, on a un dingue Zalakina Kala. Alors, pour que il y ait soif, bon, mettez-vous ça, posa, osana bosenga mai. Par exemple, tu dois avoir 3 litres d'Akisa Yoki n'a pas dit 3000 d'eau en toi et t'es à maille Katina yo et que maintenant tu as que 500 millilitres. Ce que c'est qui t'y pendait, tu gagnes 500 millilitres. Et les 500 millilitres connaît déjà que pour que tu sois full, il fallait 3 litres. Et les gradients est ici. Et mes condés wana. Arrivé ici. Et comme on a ce wana. Dieu a mis en nous ce qu'on appelle limite d'Arlette. Il a mis un censeur. Et tatika na biso et mekelio kotalete nandelo yo esengeli mama ya lisusu. Voyez-vous? Comment on dit? Donc si le stock
qui devait être là. Et vous descendez le stock. Lui, il sait que vous courez le risque d'une pénurie. Parce que lui ne refusera pas à donner le corps de l'eau. Alors il envoie déjà un signal automatique. Et ce signal là s'appelle l'alerte. Pour dire que j'ai encore mon quantité d'eau est en train de diminuer graduellement. Alors il y a la lettre critique. Dans laquelle si vous dépassez là, c'est difficile que vous puissiez encore remonter. Même les mécanismes de ceux qui doivent recevoir de l'eau va fermer. Alors, celui qui est le gestionnaire de l'eau, les lois de la gestion n'ont jamais changé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme quelqu'un qui doit gérer de l'argent. Et c'est quelqu'un qui doit gérer les marchandises. Dans tous les domaines. Il a toujours un moyen dans lequel lui dit si on arrive ici, c'est critique. Parce que le temps de se ravitailler, le temps de se faire, il y aura déjà des pertes. Donc, lorsqu'on arrive ici, il faut que la guerre commence. Il faut que la lettre soit forte. Alors, à ce moment-là, le désir devient douloureux. Mais ce qui est bon avec ce désir douloureux, et ce désir ne peut pas être désespéré au point d'être douloureux, si il ne sait pas que lui il se communique, ce sont des vases communicants. Et si tu as la soif de la bonne santé, c'est qu'il y a la bonne santé pour toi. David dit que l'abîme appelle l'abîme. La profondeur appelle la profondeur. Si il y a un vide ici, il y a un autre vide qui répond à ça. Donc cela veut dire que nous avons toujours quelque chose parallèle qui peut combler. Sinon, tu n'auras pas soif de ça. Et lorsque ça t'a quitté, ça y est quelque part, dans le point de revenir. Et c'est que là-bas, il commence à appeler. Et ici, il réagit. Donc ce n'est pas vous qui avez soif de Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui vous cherche désespérément. Alors le Père de Dieu qui est en vous est maintenant mis en branle. Il commence à chercher Dieu désespérément. Donc ce sont deux choses qui s'attirent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est à ce moment-là qu'on parle de la soif. On a soif d'eau. Et lorsque je bois de l'eau et que je vois la quantité qu'il faut, je ne saurais plus ajouter. Mais si je dois combler le plaisir, il n'y a pas de limite. Le problème est que le plaisir ne se rassasie pas. Qui peut dire amen? Amen. Voilà les citernes créfacées. Israël a fait deux péchés. Il s'est pas simplement éloigné de la source de vie, mais
Il est allé encore creuser des citernes. Les citernes créfacées. Il peut dire amen. Amen. Regardez, je vais vous faire une expérience. Vous voyez cette eau? Ça transpire parce que c'est glacé. Vous tous, vous voyez? Alors il fait chaud. Je vais boire. Vous sentez ça? C'est bon. Automatiquement, l'eau qui est en vous bouge déjà. Et comment le camarade? Je vais aller ici. Amen. Si je continue à boire comme ça, votre corps va retirer tout l'eau qui est en vous. Et chacun de vous va sortir ici pour chercher l'eau. Je crois que ça se démontre. Ce que nous parlons est réel. Si je dis à quelqu'un je te donne cette eau ici, c'est pas interdit de boire l'eau. Je crois que ceux qui sont devant ici vont sauter. Ça n'a pas besoin de vous. C'est plus fort que vous. Parce que c'est douloureux. Ce que vous venez de sentir là, c'est un peu l'approche des douleurs. Mais si je vous donne de l'eau, vous ne finirez pas ce litre ici. Vous allez boire pour d'autres. Un verre suffit. Vous dites ça suffit. Vous dites amen. Amen. Mais si je dois vous donner la bière, ça n'a pas sa bière. Bien que dans la bière il y a l'eau, tu vas prendre un verre. Ensuite tu prends. Ensuite la bouteille est finie. Et 2 litres. Tu vas aller faire pipi. Et on te redit encore. Un litre. Et jusqu'à ce que le corps est détruit. Et tu tombes. Lorsque tu te réveilles, on te donne, tu prends encore. Mais l'eau, tu ne prendras pas comme ça. Parce que tu es en train de combler le plaisir. Le plaisir n'a pas de fin. Le plaisir ne rassasie pas. Alléluia! Mais la soif montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Donc, les frères Manan nous disent, cela nous rassasie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Hier, j'expliquais à ma mère. Hier. Lobby. J'expliquais à ma mère. J'essayais de leur demander. Mais pour vivre une famille comme vous êtes nombreux. Vous allez mingi. Mais combien il faut? Et que ça rabino boni. J'ai dit, je crois que 5 000 ça suffit. Et l'une de mes sœurs a crié 5 000. Moi, on a 1 000 mitano. Oh, ça c'est rien ça. Et ça n'est pas bas. Nous tous ici. Bisous nous. Peut-être une petite famille, oui. Les choses sont devenues chères. Alors, ils ont commencé à donner des arguments. Bah, comment le balouvaouana? J'ai ri, j'ai dit 5 000 d'ailleurs, c'est trop. Pas ici. Je crois que nombreux ici vont s'argumenter de la même manière. Si vous êtes 9, 12 de la maison, vous savez que ça ne fait pas. J'ai dit ok, on va aller pas à pas. Oh non, j'ai dit laisse d'abord. J'ai dit regardez. Dans l'échelle de la nutrition, il y a 3 choses. La première étape, c'est ce qu'on appelle les bourratifs. Vous écoutez ça? Amen. Et je crois que c'est aussi important pour vous.
J'ai dit, il y a des bourratifs. Et deuxièmement, il y a les nutritifs. Ça, c'est ce qui vous donne la bonne santé. Et troisièmement, il y a les gourmandises. Donc cela veut dire que, après cela, je prends un pot de yaourt. Je peux prendre les fruits. Je peux prendre ceci. Je peux prendre... un gâteau. Je peux faire ceci. Tout ce qui est gourmandise. Et la plupart des gourmandises sont sucrées. Dites amen. Amen. Je dis, bon, à votre niveau, comment vous organisez ça? Ils ont commencé à me dire, dis non. Pour vivre avec ce que tu dis là, il faut avoir un congélateur, il faut avoir congélateur déjà ça, il faut avoir déjà ceci. Là, bien, tu peux acheter en gros. Il croyait qu'il va me convaincre. J'ai dit, qu'est-ce que vous mettrez là-bas? Je voulais au moins comprendre. Ça n'a pas passé beaucoup de temps. L'une de mes soeurs achetait... Quelqu'un se promenait avec les œufs. Déjà préparé. Elle vient. Il achetait un œuf. Commence à manger. Elle dit, tu vois, ça c'est les gourmandises. Tu vois, ça c'est la nourriture la plus chère du monde. Parce qu'on ne les mange pas parce qu'on doit se rassasier. On ne les mange pas parce qu'on a faim. On mange ça parce qu'on veut le désir, le goût. Il ne fallait pas passer l'autre acheter un pain. Beureux, bien pire, on a mis les... J'ai dit ça, tu vois là, ton enfant ici ne va pas se rassasier avec toi. Mais ça coûte plus cher. Voilà comment vous dites que l'argent ne suffit pas. Parce que vous n'aviez pas la gestion. Vous ne prenez même pas le temps pour réfléchir. Alléluia. Amen. Amen. Je ne vais pas allumer votre égoïsme. Hein? Je crois que les messieurs comprennent ce que je vais dire là. Je n'ai pas dit que ces étapes-là ne sont... Là, c'est un plat complet. Vous comprenez? Et il a les entrées, c'est bon pour la santé. Et il a les plats de résistance, il a des desserts. Et dans les trois parties là du repas. Et peut-être il peut avoir trois sortes de repas de résistance. Et à cause de la tout ça là, c'est bon. Dieu veut que nous soyons comme ça. Mais nous devons calculer. Et je leur ai dit. Quel est votre repas de bourratif? Ils ont dit non. Il faut acheter du foufou. J'ai dit voilà, le foufou, c'est la nourriture exotique de luxe. Et penza, oh ya 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 ya. Il m'a dit, donc on va acheter le manioc. Dis-nous, ça encore c'est plus cher, c'est du luxe. Ils ont dit, mais comment ça? J'ai dit, non, mais tu ne peux pas manger seulement le manioc seul. Tu ne peux pas prendre le foufou seulement seul. Vous dites amen. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, ok. Commencez d'abord. Achetez le riz. Il dit, non, les enfants ici n'aiment pas le riz. Voilà. Dites amen. Amen. J'ai dit, bon, écoutez au moins. Un sac de riz. Même si vous êtes nombreux. Vous le finissez en une semaine. Il dit, non.
On est moi. Même ça ne me rend. On dit non. Ça peut aller plus loin, non? Et quoi qu'elle me coûte Moussika? Et ça coûte combien? Et t'as le nangoboni. On a dit non, autour de 15 000. Okay, d'accord. Mais un sac de foufou coûte plus que ça. Et ça qui est foufou, il est qui coûte en natal. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est juste. Et là où il y a une famille de plus de 12. Moi-là, c'est le mot. Et c'est na sana moko ça qui a foufou et liki. Je l'ai dit, vous voyez, celui-ci peut faire plus. Mais alors c'est quoi vous met là? Mais dis le meilleur avec ça. Et malam onango. Tu prends de l'eau. Tu mets le riz. Même s'il n'y a pas de sel. Tout le monde ici va manger. Motonyo sa kolia. Vous êtes avec moi? Amen. Il va dormir. Akola la malam. Mais pas qu'il a le goût, il a quoi, ben il ne mourra pas de faim. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit les enfants ici seront en bonne santé. J'ai dit le riz. Vous le prenez, vous menez de sel et un peu de l'huile, vous mangez. J'ai dit le riz. Vous le prenez. Vous n'avez rien. Vous avez de l'huile. Et la tomate. Vous faites une sauce. C'est bon. J'ai dit, vous voyez. Vous achèterez la tomate. Peut-être pour 100 francs. Car 100 francs. Et l'huile. Un peu d'huile seulement. Moi, l'huile, mon gars. Vous préparez. Olambi. Vous avez la nourriture. Vous avez même le goût. Mais ça, c'est le bourratif. Qui peut dire amen? Amen. J'ai dit alors, il est mieux Malamu. Qu'il ne manque pas de riz. Et le riz M'losopé. Peut être gardé pendant une année, deux ans, trois ans. Et vous n'aviez pas besoin d'électricité, de congélateur. Vous n'aviez pas besoin de congélateur lui-même. Mais ça peut se garder. Moi, je conseillerais que vous ne manquiez pas du riz. Alors maintenant, si vous achetez vos foufous, ça c'est du luxe. Si ça manque, vous revenez à la base. Mon collègue, le foufou, c'est la tête aux hommes dans l'autre. Amen. Vous voyez, c'est très simple. Et on commençait à poser la question. Oh, les poissons fumés. Oh, et c'est cher. Il dit non, non, non. Et les gens étaient venus. Alors, on ne pouvait pas continuer cette conversation en famille. Et ce qui vient à dire que nous ne nous asseyons pas et faire et réfléchir face à un adversaire. Tantôt, je m'étonne. Même les églises qui nous attaquent. Et lorsque je m'assieds, j'essaie de les examiner. J'essaie d'étudier ce pasteur-là, son église. Et puis, je dis, mais lui, il compte sur quoi pour m'attaquer? Mais ça, c'est de la folie. Mais si je me mets en guerre avec lui, il est détruit. Mais comment un type comme ça peut conduire les gens? Parce que Jésus a dit, si vous allez en guerre, il dit, quel roi ne s'asseyerait pas? Examiner son armée, voir aussi l'adversaire, avant d'engager le combat. Qui peut dire amen? Amen. Ils sont légers, les gens qui vous combattent. Ça, c'est les Nefada. Les Arabes qui prennent les pierres pour aller jeter sur les Juifs qui ont des Kalachnikovs. Non, prenez aussi des armes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les petits. Mais les enfants vont connaître quoi? Mais celui qui est là-bas, il est dangereux. Dans lesquels, lorsqu'on tire là-bas, aïe aïe aïe. Oh, regardez! Oh, on a tué un enfant! Mais un enfant, on n'envoie pas en guerre. Il me semble que c'est la même chose, le terrorisme. Spirituel se fait de la même manière. Vous voyez,
Il ne s'assied pas pour analyser l'adversaire. Et voir quelle est sa force. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ses outils? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il mijote? Mais il dit là, oh non, vous là-bas, c'est faux. Hein? Votre pasteur n'est pas là. Quel pasteur? Et vous aussi, vous prêtez l'oreille. Je peux aussi m'attendre aussi. Ah oui. J'ai vu les gens qui disent que pasteur Elis ne reçoit pas, mais il ne m'a jamais demandé l'audience. Mais il répète ce que quelqu'un d'autre a dit. Alors que vous êtes différents. Vous tous, vous n'avez pas les mêmes priorités. Qui peut dire amen? Amen. On reçoit par ordre de priorité. Toi, tu as un problème de l'esprit. L'autre a un problème d'âme. L'autre a un problème de corps. Donc celui du corps est dans le besoin immédiat. Donc toi tu as le besoin de l'âme. Parce que tu veux prendre une décision. Tu voudrais te fixer. Mais alors tu veux être prioritaire. C'est très malhonnête. Mais l'autre, comme il a un bébé qui est malade maintenant, il ne sait pas, il a besoin qu'on prie, il a besoin qu'on puisse lui acheter des produits. Celui-là, on va réagir vite. Dites amen. Mais tu écoutes celui-là. Parce qu'on t'a répété. Beaucoup de gens agissent par rapport à ce qu'on lui a dit sans qu'ils puissent vérifier. Des gens de la terre, ils ne vérifient pas l'information dans laquelle ils prennent une décision à base de ça. Vous savez les résultats? 80% aussi de la terre sont pauvres. Parce qu'ils ont refusé volontairement de gérer l'information. Et 80% aussi des gens de la terre sont ignorants. Qui peut dire amen? Amen. Pourquoi ils croient les journalistes de la télé comme s'il était Dieu? Oh, même les autorités l'ont dit. Hein? Mais qu'est-ce que c'est qui t'a dit que les autorités ont le monopole de la vérité? Mais la plupart du temps, ils mentent. 80% de ce qu'ils disent, ils mentent. Oh non, j'ai lu dans le journal. Cela a été dit sur Internet. Mais tu as oublié que le journaliste là, c'est ton voisin de quartier là. Pourquoi son opinion à lui a autorité? D'abord, avant de publier, on censure d'abord. On s'assied sur ce qu'il dit. Et ainsi de suite. Donc, c'est manipulé. Qui peut dire amen? Amen. Dites amen. Amen. Ça me fait très peur d'avoir un peuple comme ça. Alors qu'ils devaient être des aigles. Amen. Dites amen. Amen. Mais en Afrique du Sud, si la police veut avoir des problèmes, en Afrique anglaise, ceux qui la police, ils ont été à ma camionne collée mutuna yo. Tu en roules là en voiture. Yo gotama na mutuka. Ils t'arrêtent. Bah ceux qui si yo. On doit fouiller. Tu gotala nini yo zana wana kaka. Ils fouillent. Bah comment t'as là? Ils disent démarre. Allez, prenez ça. Ils ouvrent derrière. Bah fongo na sema. Ils peuvent mettre soit les armes ou les drogues. Bah koki tao yo fongo le kuna batia wa tuambangi tuamindoki. Ils ferment. Bah kangi. Pendant ce temps, tu es à l'intérieur.
Il dit ok, vas-y. Kenda. Et toi tu roules. Yoko kenda. Derrière là-bas. Nasimakuna. Et il y a encore d'autres qui s'arrêtent. Bah, monsieur, bah, monsieur tu n'as rien. Yo, on est là. Tu n'as pas ceci. Yo, on est là. Nous fuyons ceux qui ont des drogues, des hommes. Yo, Luka, bah, okay. Descends. Bien, okay. Ouvre toi-même. Fongola, yo, tu ouvres ici. Yo, fongola, ouvre là. Fongola. Descends un peu. Ouvre ici. Fongola. Mais ça, c'est quoi? Oni. Je ne sais pas. Il amène des caméras. Mais mes caméras. Ils explosent. Mais si une telle chose arrivait à ceux qui sont ici, ou arrivait au pasteur Lys, je crois que tout à concert va vider. Hein? Oh, on m'en a montré ça à la télé. Oh, mais on a vu. Oh là là. Oh. Qui peut dire amen? Amen. Dites amen. Amen. Vous voyez? D'autres vont maintenant dire, oh j'ai compris, c'est pour cela, oh l'histoire et tout, vous voyez, mais il achetait la voiture là où, mais il fallait me demander avant que ça s'arrive, pour me rester les choses, vous voyez pas les habits qu'il portait, oh là là, mais je ne veux pas que vous soyez comme ça. Amen. Vous ne devez pas être manipulable. Et t'es bon, ça ne savez pas, n'habit pas. Nous, selon la parole, cela est arrivé à frère Etel. Et à la télé, on a dit, lorsqu'on va me demander, qu'est-ce que vous pensez? Je sais qu'on on peut faire un montage comme ça. Et qu'on peut faire ainsi. J'aimerais que la télé puisse lui demander lui-même. Qui peut dire amen? Amen. Même là, mais on peut me demander, tu es pasteur? Oui. Tu es pasteur, hein? Et tu reconnais que tu prêches l'évangile? Oui, je reconnais. Et tu fais ceci? Je dis oui. Mais pendant ce temps, lorsqu'on va vous faire passer, on a enlevé les questions, on remplace d'autres questions. Reconnais-tu que tu es voleur? Et moi, je dis oui. On te fait le film, mais là, on avait pris. C'était d'autres questions. On peut le faire ici. On a des logiciels pour faire ça. Bon, vous rendez compte là où le mensonge est. Au côté les pas puis le côté c'est commis. Alors lorsque je vois nos détracteurs, de n'importe quoi. J'ai dit mais les gens ici, l'église catholique va les bousiller dès les premiers jours. Mais il y a une persécution qui est en route maintenant. Qui est ouverte depuis le 30 octobre. Et ce que Frère Banan dit dans les exposés ici a déjà commencé. Le pape s'est prononcé sur la crise monétaire. Et papa le bin ali kambo mbonge zangu kuna na bikola poto. Et c'est le point dont Frère Banan a insisté dans les sons. Dans les âges. Mais les pasteurs ne connaissent pas. Bah pasteur bah ils ne connaissent que dire des injures. Bah ils disent qu'on figa. Qu'est-ce que tu gagneras en s'émonçant dans ton peuple la haine, les injures, le quoi que ce soit, alors qu'il n'y a plus de temps. Amen. Amen. Mais c'est le moment de les aiguiser. C'est le moment de parler des mystères du troisième poule. C'est le moment de leur entraîner à comment utiliser leur âme. C'est le moment de focaliser tout dans les lois, dans le subconscient. Alors, lorsque là-bas va se déclencher, de l'autre côté aussi va se déclencher. Alors, vous saurez qu'il y a quelque chose en vous. Et depuis que vous êtes né, vous ne saviez pas que vous aviez ça. Et ça tend son ennemi. Lorsqu'il apparaît, cette chose-là apparaîtra. Mais cette chose-là a besoin d'être nourrie. Mais Seigneur, t'es né, ça, man.
Jésus a dit, yes, so priez encore une heure avec moi. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il savait que la préparation sera nécessaire. Parce qu'en quelques heures, l'ennemi sera là. Mais tout ce qui avait assoupi, lorsque c'était revenu, chacun a fui. Ils n'ont pas résisté. Mais je vous ai dit que nous ne sommes pas les mêmes. J'ai compris que nous ne sommes pas les mêmes. Avant, je croyais qu'on est les mêmes. Non, on est différents. Mon frère, on est différents. Ne croyez pas que nous sommes les mêmes avec les restes des églises. On n'est pas les mêmes. Parce qu'il y a trois sphères. Il y a la sphère de l'épouse. Il y a la sphère de William Branham. Et il y a la sphère des pentecôtistes. Qui peut dire amen? Amen. La sphère des pentecôtistes. C'est pas un pentecôtiste. C'était le baptême du Saint-Esprit avec les neuf dents. Mais Frère Branham dit, il n'avait pas le vrai baptême du Saint-Esprit. Mais ils avaient reçu un nouveau esprit et qui a manifesté les dents. Et pour cela, ce réveil s'est retrouvé jusqu'à l'église catholique. Et ce réveil s'est reproduit partout. Et lui étant le messager, le septième ange, il leur a amené un sabbat. Et le sabbat ici, c'était le vrai baptême du Saint-Esprit, qui est la vraie nouvelle naissance. Et qui n'était qu'un fondement pour bâtir maintenant l'épouse au travers de cette vertus. Et la pierre de fête vient ici. Donc nous sommes dans plusieurs aspects. Ce qu'ils soutenaient, les pentecôtistes soutenaient, était la vérité. Parce que c'était le peuple dans lequel William Branham a envoyé. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils disent, Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, ils sont ici. Qui peut dire amen? Parmi eux, il y a ceux qui sont nés de nouveau. Mais parmi eux, il y a ceux qui ont le Saint-Esprit. Mais ils parlent en langue. Et parmi eux aussi, il y a des hypocrites qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui parlent en langue avec le vrai Saint-Esprit. Frère Branham, lorsqu'il a vu ça, il était troublé. Comment quelqu'un par le vrai Saint-Esprit parle en langue, mais pendant ce temps il n'a pas Dieu, il est un hypocrite, c'est un aspect. Et l'un d'entre eux, avec le Saint-Esprit, il était sincère dans le même aspect. Et Dieu lui a expliqué. Mais nous sommes dans l'épouse. Tous disent, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, le message a dit, mais elle ne peut pas rentrer dans la dimension dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas les mêmes. Alléluia. Amen. Mon frère, nous ne sommes pas les mêmes. Mais par exemple, ce que je prêche, je suis en train de lire les prophètes, n'est-ce pas? J'ai le droit de commenter. C'est le message qui me dit. On pense ce que j'enseigne là est la science chrétienne. On pense ce que je vous enseigne là est la franc-maçonnerie. Qui peut dire amen? Amen. Un prédicateur de ce message. Non, ils sont prédicateurs de ce message, mais ils sont dans un autre aspect. C'est un autre monde.
Il ne peut pas voir ce que nous voyons. Ils ont le même message. Ils prennent seulement ce qui est le leur. Nous aussi, nous avons le même message. Nous prenons ce qui est le nôtre. C'est pas la même chose. Amen. Amen. Parce que si c'est la même chose, il n'y aurait pas de combat. C'est juste. Dites amen. Amen. Je pense qu'ils ont crainte de Dieu. Lorsque Jésus guérissait les malades et faisait des miracles et des signes, ses disciples étaient derrière lui. Mais lorsque Jésus a marché sur les eaux, ça c'est une autre sphère. Et ils ont dit, ah, ça c'est un fantôme. Donc quelqu'un qui est mort, et il est revenu. Lorsqu'il arrive, a dit, mangez ma chair. Alors, ils ont dit ça, c'est maintenant le satanisme. Chacun est parti. Alléluia. Amen. Tous étaient les disciples du même maître. Mais ils n'étaient pas dans le même sphère. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a changé, la foule est partie. Ça reste les 70. Et lorsqu'il a mené encore une autre épreuve, et vous voyez, les 70 sont partis. Ça reste les 12. Et parmi les 12, il y a un Judas. Et Frère Wanam dit Judas était toujours à cheval. Il était disciple de Jésus. Mais il était aussi bien avec l'autre côté. Faites attention avec ces positions-là. Alléluia. Et c'est lui qui ramenait ce qu'on prêchait. C'est chez lui qu'on demandait qu'est-ce qu'on a dit là-bas. Pas pour connaître, pourquoi pour connaître la parole? Mais qu'est-ce qu'on a dit contre nous? Alléluia! Nous avons besoin de Judas. On a besoin de lui. Nous n'allons pas le chasser. Il sera toujours là. Parce que s'il n'y a pas de Judas, il n'y a pas de Christ. Qui peut dire amen? Amen. Il y a des Judas pour ce message. Et ça n'est pas Judas, c'est pas la Samala Moyo. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a des Judas qui sont contre l'épouse. Et ça n'est pas Judas, on va y aller, moi, ça n'est pas là. Il y a des Judas aussi pour les églises locales. Mais ça n'est pas Judas, c'est pas la Samala Yamboka. Qui peut dire amen? Amen. Donc, vous comprenez, avant d'aller en guerre, tu comptes sur quoi? Même si il y a un adversaire, évalue ton adversaire. Et regarde si tu as la puissance du feu. Regarde si tu as la mobilité. Et vois à quel moment tu peux l'attaquer. Parce que toutes les guerres ont été gagnées par l'effet surprise. C'est pour cela qu'il y a des espoirs américains en Allemagne. C'est Frère Branham qui dit. Il dit chaque pays, même s'ils sont bien, ils ont les espions entre eux. Parce qu'ils doivent savoir. Si une fois l'amitié terminée, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est les gens de ce monde. Ils agissent comme ça par précaution. Mais vous voyez un frère. Se lève du haut de sa chair. Oh non, je les connais tous. Et tous, ils n'ont pas Dieu.
Ils n'ont pas la puissance. Et il n'y a pas de guérison là-bas. Le but que ça il n'y a pas de miracle. Mais comme c'est le frère, tu dis ça, tu as vérifié. Où tu veux que nous tous nous pouvons dire la même chose? Mais non, toi tu dis ça parce que c'est ton aspect. Nous avons une autre aspect. Et on t'a pas obligé d'être comme nous. Mais pourquoi tu veux nous rabaisser là-bas? Qui peut dire amen? Amen. Mais les gens ici qui guérissent ici,